On peut pas rentrer dans les bureaux là, dans ce qui est fini là, c'est pas possible. On peut, c'est bon? Donc le bureau sort ici, avec tous les informatiques qui étaient là, les patients que ce soit là. Là on a une paillasse avec le point d'eau et puis tous les rangements, on aura toutes les affaires. Vous aurez des fois à intervenir pour ranger d'autres choses. Le lit d'examen sera là. Voilà, ça va être comme ça. C'est une clé. Une clé pour alors vous avez ça, une clé ici, pour ici et un badge, un badge comme ça. Ça sera un badge comme ça pour entrer. Oui, pour l'entrée. Vous savez, nous sommes à Cléguérec. Cléguérec est en Centre-Bretagne et nous sommes installés au sein d'un pôle de santé, une maison de santé depuis maintenant 15 jours, 3 semaines. C'est un projet qui a été monté depuis plusieurs années et il se trouve que nous sommes 3 médecins depuis 8 mois, puisque moi je suis installé il y a quelques mois ici. Et un de nos confrères part à la retraite à la fin du mois de juin, dans quelques jours. Déjà, il y a toute une population qui est demandeuse de soins comme partout sur le territoire. Et donc, à deux, on ne sera pas suffisant, évidemment, pour assumer ce sur quoi travail qui va arriver là. Après, le fait qu'on soit trois, effectivement, c'est un regard neuf et nouveau sur tous les dossiers qu'on peut partager. On a des fois des dossiers un peu complexes. On a malheureusement des moments où on doit prendre des décisions, ou du moins annoncer des fois des diagnostics plutôt compliqués à des patients, qui sont des choses qui vont changer leur vie.
Et on constate aussi depuis que nous sommes installés dans ce bâtiment, où tout le monde est regroupé, que l'on a la, la possibilité, de, par la proximité des uns des autres, de, automatiquement de se mettre à dialoguer un peu plus, et donc d'échanger autour de nos patients en commun, ce qui est un avantage. D'ailleurs, on a créé aussi une association au sein de cette maison de santé, un peu dans ce but-là, de continuer à coordonner notre façon de travailler, et même éventuellement de commencer à développer, pourquoi pas, aussi un petit peu plus de notions de prévention, voilà, pour prévenir un peu les choses. Pour le patient, il se rend compte tout de suite, je crois, qu'il a une prise en charge plus globale. Et ça, je crois que c'est très rassurant. Ils ne savent pas, les gens, si on a une coordination entre nous. Là, il la palpe vraiment, puisque elle se passe sous leurs yeux. Ce qu'on peut dire par rapport à l'installation d'ici, c'est qu'il y a eu une très bonne volonté aussi, je crois, des élus locaux également et de toute la population de mener à bien ce projet. Donc c'est un soutien permanent, ils sont toujours inquiets de savoir si tout fonctionne bien, si tout va bien. Ils nous ont laissé beaucoup de liberté également pour faire des choix d'installation, de disposition des choses, donc ça c'est une vraie richesse. Donc il y a tout un réseau, un relais qui se met en place par le biais de cette structure, de cet outil là qui est sorti de terre. Qui existe, qui est un gros bateau dans lequel il y a beaucoup de monde, beaucoup de portes, où on rentre, vient trouver ou son dentiste ou son infirmier, ou, etc. Et ça, c'est vivant, ça devient de plus en plus vivant. Actuellement, nous avons effectivement le dentiste, Marius Fleturis, les docteurs Le Marchand et Jean Gros. Nous avons Madame Jagu, pédicure-podologue, Monsieur Caer, orthophoniste, Madame Le Priol, psychologue. Madame Rompers, diététicienne nutritionniste, Monsieur Lelu, ostéopathe. Madame Glocheux, sage-femme, Monsieur Lepan, sophrologue. Nous avons deux cabinets infirmiers, de 6 infirmières et de 4 infirmières. Et nous avons également le SSIAD, service de soins infirmiers à domicile. Et le SADI, service d'aide à domicile intercommunal.